RL In The Morning est patronné par Groupe Sojibok, Rwamba Bancourt et MSC Group. Karel In The Morning, invité nous matin, c'est Fredlin. Fredlin, son jeune talent que peut-être nous voyons déjà, puisque il fait plusieurs featuring avec des artistes connus. Et Liv Gain, mes propres musiques parlent tout. Et il fait que sortir une musique là en janvier qui était passé, que nous allons découvrir dans un petit moment. Fredlin, et bonjour, bienvenue dans l'émission. Comment vous-même? Bonjour Karel, et moi salue tout le monde qui a suivi le show là en un moment. Et non, pas M. Fredlin, je vous dis là. Moi, vraiment en forme et c'est vraiment un plaisir pour moi parce que je suis toujours à suivre et c'était toujours un rêve pour me participer dans l'émission. Et je dis en là, vraiment satisfait, vraiment content. C'est un plaisir de me recevoir tout. Fredlin, mais qu'on y a, et puisque c'est la première participation dans l'émission et c'était rêve, tout, dis-moi, qui a regardé l'émission et qui a attendu, qui a souillé. Non, bah, c'est Fredlin et moi, c'est un jeune artiste qui est sorti au CAI. Donc, m'a fait musique et ça fait très longtemps. Et carrière, j'ai débuté dans l'église. Et c'était un maestro et un pianiste. Et j'ai joué batterie dans l'église tout. Donc, j'ai eu la chance de participer dans une compétition au CAI. C'était en 2009. C'était un concours Noël. Et j'ai arrivé champion. Ah bon, tu es champion au Kaina Noël? Bolo Group. Boutin, salut Boutin. Salut, monsieur tout. Donc, depuis que ça a travail, je suis arrivé à participer avec Phantom sur une musique qui s'appelle Les Moins Well. Donc, qui a fait un gros succès. Et après ça, nous avons toujours travaillé tout. Et je fais un album tout, qui est le nom de cette musique déjà. Donc, je me fais un paquet de bagailles. Et dernièrement, je me suis dit oui. Tu ne vas pas travailler avec Isolant tout, non? Non, je n'ai pas de chance de produire avec Isolant. Mais je participe dans le carnaval, le barricade, fait chorale, tout le bagaille. Donc, quand il y a de l'église à un album, tu es une période où tu es un petit pause dans la carrière, non? Bien que ça t'est passé. Non, je suis toujours au travail. Ça qui vient de passer. Pendant l'église, je me suis chance de participer dans la compétition. Et la compétition, je me suis arrivé champion. Donc, je devine tout dit que je vais lancer une carrière musicale parce que je me sens que je vais aller mieux si je lance une carrière musicale comme ça. Donc, la famille m'a supporté dans ce sens ça tout. Et puis, je devine jouer une chance de chanter ensemble avec Phantom qui était tout venu là dans la rue. Donc, c'était ça. That's good. Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite puisque nous avons parlé de musique ou dernière musique qu'on sortit là. Et est-ce qu'on est capable de nous présenter mon musique là et puis nous allons regarder la musique? La musique, ça est moins celle. C'est une musique que nous avons sorti le 1er janvier qui s'est passé là, qui c'était anniversaire. Donc, nous faisons le 1er janvier. Nous faisons le 1er janvier. Oui. Donc, nous avons fait musique là parce que moi souvent, haïtien supporter un artiste ou bien haïtien supporter un monde c'est le li mouri. Donc le monde a mouri ou tout monde a posté, tout monde des remèl, tout monde a parlé bien de lui pendant que le vivant non yo pas jamais fait ça. Donc c'était tout bas ça qui t'a motivé écrire musique là tout, vous comprenez? Donc c'est ça musique là, elle est moins celle. OK, voilà. Et bien on a découvert moins celle, c'est un nouveau titre de Fredlin qui est avec nous dans émission dans Karel In The Morning matin. Pas facile, chargé piquant coina. Dans la coule la caille, bagaille au paraît noir. Personne pas blédé, chaque jour après que les affaires paillent. Composition, mais pas bête.
sagesse moi pour passer moi dans tête. Moi, c'est Fridlin qui est avec nous dans l'émission. Jeune talent, mais qui vraiment gagne en pile et bah, dans le catalogue. Il se produit un album déjà. Et ce qu'elle est sur page YouTube, il a réalisé que lui est un carnaval. Et il dit que pendant la musique la passée là, que c'est où tu produis Carnaval en rêve 2022. Je travaille pour Rêve tout en 2017. Le ça, je crois Carnaval a été fait au CAI. Et je joue sous chance avec Rêve tout. Donc. Non, mais son musicien complet là, ou pas jeune talent, je m'en présente là, ou son gros talent qui gagne le papa. Il y a un peu de papa. Il y a un peu de papa. Parce que je travaille en paquet d'artistes. Soit l'album, il y a une musique avec Beijing, il y a une musique avec Woody Woodboy, il y a une musique avec Misty Jean, soit l'album. Donc, je travaille avec un paquet de gros artistes. Je sorti un EP la dernière, même une belle musique avec Steve Kessoli. Donc, toute musique, ça, c'est moi qui produis. Tout album, c'est moi qui produis. Net. Ouais. Mais ou pas ouvrir à collaborer avec l'autre monde en termes de production ou bien parce que ou ka fait pour contre ou préférer faire le contre? Ça qui vient passer, moi t'ai essayé de contacter plusieurs autres monde et n'ai pas tellement de m'kob. Vous connaissez moi qui a fait tout le monde. Donc, je vais nous dire un ticket. Bon, je vais faire là, je vais essayer de faire pour comme l'aime moi pour contacter l'autre monde. Je vais faire moi vraiment ouvert pour travailler avec quelqu'un soit monde. Tout à fait. Konya, musique ça a sorti et moi seul, vidéo clip la sorti. Yeah. Et puis, semaine passée, alors, sorti une autre musique. Semaine passée, c'est une musique qui sorti sur Chanel, c'est une musique que je fais pour un feuilleton. Parce que je fais ça en pile. Je produis une musique pour feuilleton, pour MK, pour Fednael, et pour un paquet d'autres actrices qui ont fait feuilleton. Donc, c'est moi toujours à produire musique pour eux. Et souvent, fois je fais une musique, fanatique toujours à demander côté musique, yo, t'as une musique. Yo. Et souvent faut encore mettre musique sur Chanel moi pour capable jeunes donc c'est ça. Musique ça me fait là son musique me fait pour faire tout et puis mettre sur Chanel. OK. Qu'on y en retourner sous place ou sous dans marché musical là. Et vous avez talent au produit plusieurs monde mais vous estimez qu'on éclat qu'on peut faire. Et qui sont pensé qui expliquer ça? Bon, on pas connait si problème là c'est bon côté pas lié ou bien est-ce que c'est on vraiment pas connait parce que me produit et je travaille avec un paquet de gros artistes et donc je pense que je fais ça que je dois faire pour moi je pense que je fais ça que je dois faire déjà mais seulement pour que moi même pour faire éclat que j'ai besoin mais je continue de travailler parce que je joue là quand même justement est-ce que on staff management est-ce que des monde qui a essayé placer ou de côté et pour staff là nous moi à peine gagne un staff et je profite ça li Wiser nous à peine gagne un staff là que nous créer c'est Wiser Media Group. Donc qui vraiment a pris ma cœur qui a aidé me foncer des bagages. Ça va gagner longtemps. OK. Et ou performer sur scène, ça veut dire ou disponible son monde beaucoup pour jouer oui, dans ça. Oui. Mais ou plus que c'est musicien, comment jouer ou jouer instrument pendant sur scène ou chanter ou bien ou camper devant jazz. On compte jouer instrument les m'a chanter et souvent faut qu'on joue playback tout. Donc même quand camper devant jazz tout faire n'importe bagage. Parce que j'ai staff musicien tout. Si ça va dépendre en plein programme non ça va dépendre programme non comprendre nous ca réunir musicien pour nous travailler pour nous jouer tout à fait voilà quand la musique 1er janvier c'était pour faire tout ou bien fait partie d'un autre projet qu'on va le faire c'est idée de juste monter en tête moi et 1er janvier me dit que bon c'est pas l'anniversaire et par rapport à tout ça moi me fais dans musique déjà tout travail que me fait
et me senti comme si gen moun qui était supposé supporter moi, comme si moun qui soi-disant dit c'est partenaire, moun qui soi-disant dit yo c'est ami, yo était supposé supporter moi, pas jeune support en retour, me dit bon bon me chanter ça. Vous comprenez, dit bon me chanter ça pour dire que c'est moi-même seul qui a fait tout travail. Comme si gen moun qui ouais qui dit que monsieur ou gen talent et puis nous pas jeune moi ou gen talent ou pas capable ou pas capable et puis tout fait message à passer pour me faire connaître que c'est moi seul qui a plité pour me foncer des bagages. Si me batten sommaire déjà c'est parce que c'est peut-être parce que et force moi beaucoup assez ouais, tant pas encore arrivé ou bien travail là pas encore accompli pour arriver côté pour même continuer à travailler. Donc ça veut dire c'est pas bon projet d'album qu'on va faire, c'est pas rien puisque EP au sorti qui oui, est sorti EP 15 juin qui voilà EP à frais toujours donc c'est pas beaucoup son l'autre projet dès juste sorti une musique parce qu'on est fan à travailler on va pas arrêter voilà et sous EP a et des musiques ou tes vidéos clippées. Non, eh ben justement, clip, ben ça fait partie du travail, là, pour ça me pose aux questions. Ça veut dire, l'important que sous ton EP de point juin, dans le travail, il faut que démêler ou là pour garder ou est-ce que tu as fait vidéoclip. Je pense sur ça, Et il y a une musique qui m'a fait un vidéoclip, seulement fait ça sur EPA quand même. Tout à fait. Eh bien, je pense que le Dakar intéressant, signal plus là, et fait mon découvrir et quelques musiques sur EPA. Même si c'est des petits bribes que nous baillons, je pense que le tac a fait sens. Et. T'en m'en m'en. Mon petit tête en bas là, matin. Et voilà, et Fridlin et François, moi je viens nous. Et puis, c'est bon. Et bien, il est bon, il y a 6 musiques sous lui. Et ou doux en musique avec Steve K. Que les moins songeux. Ou voulez nous proposer mon autant de musique ça? Yes. Et bien voilà, nous allons étendre moins songeux. Fredlin François, EPA disponible online ou qu'à sur toute plateforme. Il y a 6 musiques sous lui, en tant que moins songeux. Songez l'un des premiers contrées à t'es dit m'semblé avec ça te bam envie poche pi près soleil d'ouvant jour pour m'li mène m'la caillou fait connaissance par en ou pour m'ka faire un sourire m'tombe fait joujou ou écrit dans l'esprit mon pas jamais passé tout ça nous te qu'on fait à deux on fait m'en songer. Sami jiche, sa ki tim son embesi. Pan dwe kite ou ale. Si te gen plan ou te kite, nan kè ou bak dwe fem prizonye. Apre sa pou zete, mwen patatan nek pou si dan sa.
Moi, songe au Steve K avec Fredlin. Comment connecter avec Steve K pour musique ça? Steve K t'es venu dans le studio à l'essentiel, c'était une musique qu'il a fait avec Phantom et c'est moi qui t'as produit le fin instrumental toute bagaille. Mm-hmm. Donc, produit hip hop ou produit toute qualité musique? Toute qualité, compas, mm-hmm. hip hop, toute qualité. Mm-hmm. Vous avez style pas ou préféré ou c'est le compas ou qualité? Oui, je fais plus compas que ça. Oui, compas et puis moi fais R&B tout, je fais afro tout. Mm-hmm. So Steve K. Steve K était dans studio à Devin for Music avec Phantom et c'est moi qui t'a produit. Et puis l'aime fin produit toute bagaille. Après ça monsieur était venu côté pour me produire une musique pour lui tout. Et laisse assez voir, il était besoin pour me prendre pour lui seulement et puis me t'ai ajouté quelques bagages instrumentaux, laisse ton musique reggae. Ouais, musique elle est bon Dieu bless mon bagage. Même quand t'es sorti musique ça finalement. T'es sorti vidéo toute bagaille. Et puis après ça me demande monsieur faut faire musique avec moi et monsieur gantan ouais qui est moi et tout il t'a des musiques moi il dit pas un problème parce que avec un pilatiste que me chantait déjà yo et depuis yo juste un demi yo et que monsieur gantan talent nous ca collaborer donc c'était comme ça et puis nous faire musique là très bien. Facile. Voilà, on parlait de Beijing et etc. c'est la même connexion avec Phantom avec Phantom yes, parce que là ça en Beijing de chanter sur album Phantom et c'est moi qui t'ai produit toute bagarre ça voilà ça donc j'ai une chance de chanter avec Beijing tout avec et Woody Woodboy tout c'était même bagarre là. Donc comment je vous dis Woody laisse ça et Phantom juste relé Woody il dit Woody mon artiste m'a fait un album pour lui là m'a venir chanter sur une musique avec elle et puis just Woody, like that yeah et puis Woody descend dans le studio il tendait musique là de toute partie il dit Phantom m'a pas capable de voir qu'on y a non bonne musique là mal travail et puis m'a retourné et puis il s'était venu retourner vraiment il mettait voix par lui. Yeah, intéressant ça. Just like that. Oui. Très souvent, tout le monde pense que bio est difficile, mais parfois, c'est juste un coup de fil. C'est juste un coup de fil. Et puis, voilà, bio oui, fait. Oui, oui. Parce que ça dépend de qui monde qui m'a dit tout. Voilà. Tout à fait. Donc, on a qui ça qui pose au point de ça? Bon, je pense que qu'on y a c'est plus image. Parce que c'est pas plus d'avoir sorti musique sans vidéo. Je pense que qu'on y a là, c'est concentré sur. Parce que tant qu'on y pire, nous sorti, il y a un paquet de musique belle. Donc c'est faire vidéo. Continuer de travailler, faire belle vidéo. Yeah. Parce que c'est ça. C'est ça qui est le gros projet pour Ania là. Donc, on va sortir une nouvelle musique encore. Et je sorti une nouvelle musique. Je suis sûr que je fais vidéo. On va retourner sur EPA. On va retourner sur EPA pour que je travaille plus. Tout ça. Et en termes de production, est-ce que vous avez travaillé là pour l'autre monde qu'on a annoncé? Je travaille pour. Bon paquet de musique que me travaille là tant que musique Bob Caro sorti c'est moi qui fais instrumental qui musique va parler et Bob encore ah ouais yeah, c'est moi qui produit instrumental là et gagner et Plateli qui sorti et en musique avec Bob Caro tout c'est moi qui fais beat là parce que j'ai titre là il échappé et donc bon paquet de projet qui dans studio tout et pour un paquet d'autres artistes que me travaille moi justement qu'on ont l'autre collaboration avec un autre artiste et là tout à l'heure là l'aime tap chercher et musique ouah et Mabdouri et Fredlin et semble oublier Masonel et Bill Worley yeah, monsieur c'est un jeune artiste Sokai monsieur c'est un jeune artiste Sokai et puis monsieur demande pour me produire musique ça pour lui pour me participer là dans tout donc me fait ça c'est un frère Sokai voilà en pile monde pas réalisé justement ou à collaborer à plusieurs monde ou à travailler à plusieurs monde même si non pas peut-être et éclater sous marché donc là comment monde ca contacter pour jouer pour faire beat pour yo pour travailler avec yo oui monde ca contacter mon téléphone moi c'est 48 14 78 57 et ca joindre moi sur Instagram tout qui c'est Fredlin François Facebook moi qui c'est Fredlin François tout. Ou si vous répondez un message? Non, si on contacte sur téléphone, moi, on ka mette en contact direct avec le manager. Ok. That's good, man. En tout cas, Fredlin, mon cher, t'es content de faire connaissance avec vous. Mon yo ka réalise que son coquin chen talent qui là, qui est en production, qui c'est ou qui écrit texte ou tout. Oui, c'est moi. Voilà, c'est lui qui écrit texte, c'est lui qui fait beat, il fait pour plusieurs monde, lui même produit un carnaval pour Tipay. Et carnaval 2020. Bon, malheureusement, moi, pas dans carnaval, ça veut dire, pas qu'à même apprécier, parce que je pas tant de carnaval, lui, année ça.
Mais Tipa a toujours fait bel carnaval. Oui, le carnaval là, vraiment. Sont toujours comme ça. Et donc, ça veut dire travailler avec, avec monsieur. Et le fait qu'on on est dans le Tipa et tout, yeah. La gueule carnaval est dans le même. Oui, ça sent un gros chat. Son gros chat, il veut dire pile bagaille pour vous. Donc, big up Tipa par rapport à ça. Mon cher, je souhaite un gros succès. Je souhaite que carrière a décollé. Et j'ai envie de décoller. Là. Et puis, je ne vais pas quitter mon yo et vous attendez nouveau musique qui c'est moi seul. Et yes. Qui sortit le 1er janvier. Merci beaucoup. Merci en pile, man. Vraiment content. Thank you, brother. Yes. Voilà, c'était Fredley François qui est avec nous. Checkez, monsieur. Fredley François, tout partout. Ou à l'égon chaîne YouTube, qui a pile vidéo sous le carré, tout le carré, travail que le fait. Et vous n'avez pas écouté, fait, ouais, interview avant qu'on a fini. Et c'est parce que vous connaissez, pendant une période de confinement, nous avons une quarantaine à Haïti. Yes. Et bien sûr, quarantaine à Haïti, c'était projet PAM et avec et Harry Luc, Enzo Group, yeah, et yeah, Valérie yeah, Marcel, yeah, Vama. Mm-hmm. Et nous te mettons ensemble justement pour te proposer Mounio et des concerts avec des artistes et vous-même vous t'es participé dans ouais. Et Mounio qui a peut-être aller chercher justement garder ouais, ou même avec yeah. Acoustique guitar, guitare qui t'a joué qui t'a performé et dans une quarantaine bon bagay respect beaucoup là qui t'es filmé yes ça vaut le respect. All right brother, voilà, on regarde les vidéos clips là et puis al suivre artiste à tout partout, supporter le jeune capable. Pas facile, chargé piquant point là. Dans la cour la caille, bagaille au parrain noir. Personne pas blédé, chaque jour après les affaires paillot. Ça qui profite de sa jeunesse.